Parlons de la dernière campagne Balenciaga. On peut y apercevoir un petit garçon qui tient un nounours assez terrifiant. Ce nounours est tenu par des lanières en cuir au niveau des mains et des jambes. Il porte un haut assez particulier type SM. Et il porte un collier avec un cadenas. Lorsque vous descendez le long de la page d'accueil du site, vous vous retrouvez face à un homme. Cet homme porte un bijou, une bague. Et sur cette bague est accrochée une clé. Quel est le message? Contrôlerait-il l'enfant? Ce n'est rien. Remontons. Nous allons nous retrouver face à un bureau. Et sur ce bureau, un sac à main. Sous ce sac à main, des papiers, des papiers, des papiers. Vous savez ce que c'est ces papiers? C'est le jugement d'une association qui demandait le droit à la pédophilie aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, une association qui demandait le droit à la pédophilie. Mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là sur un site qui vend des vêtements? Un homme qui tient une clé, un enfant avec un cadenas sur son doudou et un jugement de pédophilie. Quel est le message? Vous voyez, c'est important d'apprendre à décrypter les choses. C'est comme ça qu'on devient éveillé et c'est comme ça qu'on pourra les protéger.